passe, hein? Ah! Eh! Mon amour! Ma chérie! Eh! Tu es là? C'est le coup que l'ai fait! Ah bon? Oh, cadeau! Ah, cadeau! Là, tu as de la donne, c'est moi, je vois et tout là! C'est! Ça me remet! T'as resté! C'est! Ah, et puis c'est ah bon? Ok! Allez, ça me remet! C'est! Maintenant, c'est un peu calme! Ah. Bientôt l'orage! Eh, tu vois? Tiens! La campagne, c'est pour bientôt! Eh, madame! Nous, quand nous sommes dans la fièvre, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Madame, vous avez dit que vous avez dit. Eh, vous avez dit que vous avez dit. Eh, vous avez dit que vous avez dit. Ni vous avez politique que vous avez fait. Il n'a pas un infarton. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Eh, vous avez dit que vous avez dit. 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 Vous avez dit. Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble. Cessez de voir la femme comme immature. Cela me surprend de la part du président. Tigaola, politique bilama kele mbolo wari soro strateni manine. Na boro lawa, a tobe manamaka. Moi qui salue son esprit d'ouverture et son engagement. Tigaola, politique bilama kele mbolo wari soro strateni manine. Na boro lawa, a tobe manamaka. Oh, mais dans tout ça, pourquoi tu ne milites pas dans le parti? Hé, quoi que tu ne dis pas? Je suis un homme qui a voté. Je suis un homme qui a président qui a été mis en place. Je suis un homme qui a été mis en place. Mais la loi sur le quota. Le parti est obligé de présenter des femmes sur la liste. Et quand il parle de ça, quand il y a une liste, il y a une liste. Où est-ce que tu es là? Abana. Comment cela, Abana? Ala kama sa ede politique mo koni etaye ube auto wa sebe yoro minawa auto se ka kuna dia soro tibushila neko e dale bala ka foko ana parti de conseil nani soro wa nu tare ke lisi mo duruna wala ma mo woro na edu eh madamu yele ma bado na ko ula we aha he ame domine hobi chef la be yoro yoro muso kele meten ko ula muso fla fana be yoro yoro. C'est qu'elle est mettée en goût là. Il n'y a pas de goût là. Oh, quand il y a aussi des temps ici. Eh, ne veille la mettre. Eh, pas de fond à tout ce que nous avons dit. L'achat de conscience est une pratique courante dans notre pays. Madame, un bado ka fo chou ni muso te ha ka kele de bana ko na. Joro bele bele ne tale ndo ka di chou ma. Ka te muso ka. O kon we chien. We chien yere de. Ah, safura. Ah. Tu me surprends, hein? Quelle étude tu as fait? Il y a président et calame keke. Hein? Mais elle est au calame kele de ke. Eh, madame, ça va le faire. Quand on a dit que c'est une belle année là. Anse Roma. Eh, où c'est? Eh, mais Céline. Ah. Il y a Kena. Trosse. Samaro. Trosse là. Où c'est? Eh, madame. Ah, c'est. Eh, oui. Camarade, oui. Nous sommes les premières, hein? Comme d'habitude. Wallahi. Nous, les femmes, quand on est dedans, on est dedans, eh? Eh, madame, oui. Ah, tu dis pas au candé. Quand tu as fait un fan, tu as fait un fan, tu as fait un fan. Les raisons sont multiples. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'impunité permanente contre les auteurs de violence basée sur le genre. À cela s'ajoute la violence politique. Les politiciens ont toujours été comme ça. Quand tu acceptes de faire la politique, il faut être prêt à accepter tous les coups. La violence en politique. Ma chérie, quand j'ai parlé de violence politique, je pensais plutôt à l'absence d'égalité aux fonctions électives. Oh, bien femme, c'est ça. Dis-moi, Micheline, oui. Tu es candidate pour la candidature? Oui, je suis candidate. J'espère que toi aussi. J'ai envie. Amina, il faut avoir confiance en toi. Acceptez de prendre la parole en public. Allô? Allô? Excusez-moi. Ma chérie, ni tu n'as pas Amina Bolode. Mou. Et quand tu Jamala, allez m'assouba le mettre en tout moment. Atina n'aura pas la badane. Safura, en effet, le plus dur pour nous les femmes, c'est comment collecter des fonds pour la campagne. À cela, il faut ajouter le manque de solidarité entre nous les femmes. Cela est très grave. Comment nous allons nous en sortir si nous-mêmes ne nous aidions pas? Aujourd'hui,
il y a une loi qui oblige les partis à inscrire un pourcentage de femmes sur leur liste. C'est une chance pour nous. Tu sais, ma chérie, pour la première fois de la mandature qu'un examen du projet de loi soit voté par bulletin secret, c'est cette loi. Ah bon? L'examen du projet de loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives a été voté par bulletin secret. Or, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont des moyens efficaces de lutter contre la pauvreté, la maladie et la faim. Kosebe, notre société est trop gérotocratique. Il faut faire la place aux jeunes. Hé, hey, ma chérie, toi, tu auras à affronter des difficultés. Chogodi, cela va être chaud. Chogodi, le président arrive, mais a priori, il a établi une liste. Hé, 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 ma foi. Amina, pourquoi convoquer une réunion à ce sujet alors? Tu lui poseras la question quand il sera là. Tu peux compter sur moi pour poser la question et donner mon avis là-dessus. Moi, je pense qu'il faut l'écouter d'abord. Tu vois, c'est souvent des frustrations qui favorisent ce qu'il est convenu d'appeler la transhumance politique. Moi, de toute façon, j'ai de quoi payer. C'est-à-dire? Nous procédions ainsi depuis. À chaque fois qu'il faut faire la liste, c'est la vente aux enchères. Les mises à prix varient selon le rang sur la liste. Ce ne sont pas les militants qui se prononcent. Salut les dames de fer. Salut. Salut. Excusez-nous, nous avons été pris par des affaires du parti. Le parti se porte très bien. Bon, président, si tu donnais la bonne nouvelle. Chers camarades, vous connaissez toutes les charges fixes auxquelles nous faisons. Le parti ne bénéficie pas encore de la subvention au parti. Cela est injuste. Nous ne sommes pas là pour parler de la justesse des critères, ni le pourquoi de la subvention. C'est pendant ces moments que le parti pourrait gagner un peu de sous. Aussi, j'ai trouvé de bons acheteurs. C'est-à-dire? Pour être sur la liste, tête de liste, le parti demande 3 millions. Deuxième, 2 500 000. Troisième, 1 500 000. Quatrième, 1 million. Cinquième et sixième, 500 000. Au fait, président. Pour les quatre premières, j'ai déjà les candidats et ils ont déjà payé. Mmh. Alors, le parti ajoutera vous deux cinquième et sixième sur la liste et vous n'aurez pas à payer. Président, je pensais avoir adhéré dans un parti, mais pas un GIE. Un parti, ce sont des personnes qui ont un projet de société, qui se battent pour avoir le pouvoir. Mais je crois que je me suis trompée. Et la loi sur le quota? C'est une mauvaise loi. Il faut aller graduellement. Est-ce que tu sais que dans certaines localités, ils ne trouveront aucune femme? Ce qui n'est pas le cas de notre parti. Nous ne connaissons pas les prétendus candidats de notre parti. Et pour avoir de telles sommes, sans compter ce qu'ils vont débourser lors de la campagne. Je suis convaincue que ce ne sont même pas des jeunes. Cela est clair. Et c'est très grave. Nous ne respectons pas la loi de notre pays. Qui va parler des conventions internationales comme les résolutions de la 4e conférence sur les femmes Beijing 95? Moi, je me bats pour un leadership féminin. Je peux parler? Bien sûr, ma chérie. Je pense que le président a pris une mauvaise décision. Ah bon? D'ailleurs, qui d'entre vous a une seule carte du parti? Justement. Je viens de faire confectionner des cartes. J'ai loué une pièce comme le siège du parti. J'ai avancé les frais de location. Des militants sont prêts à payer leurs cartes. Tenez. Voici un projet de société. Et notre programme, quand nous gagnerons les élections locales. Tout ceci ne sont que des propositions. Si quelqu'un a mieux, bah, nous sommes en démocratie. Samba, oui. Nous allons établir la liste de notre parti selon la loi 052 sur le quota et la participation politique des femmes et des jeunes. Ce que femme veut, On est mieux servi que par soi-même. Voilà.